Salut à tous, bienvenue dans Zelda Mystery of Solaris DX. La solution est terminée depuis un bon moment, mais j'enregistre aujourd'hui un nouvel épisode pour vous montrer les fragments de cœur, parce que c'est quelque chose qui manquait. Bien que si vous suivez tous les épisodes, le jeu est fini à 100%, donc il y a de quoi trouver tous les fragments de cœur. Mais là, j'aimerais faire une vidéo que je vous avais promise depuis bien longtemps, dans laquelle je crée une nouvelle sauvegarde. Je vais trouver tous les fragments de cœur. Pour ça, je vais tricher un peu. Alors, comme je triche, je vais m'appeler Voyou. Comme dans Link's Awakening. Voilà, Voyou. En fait, je triche parce que j'active les touches de triche. Par exemple, là, j'appuie sur majuscule pour zapper tous les dialogues. Bien sûr, c'est pas possible quand vous jouez normalement. Il faut faire une petite manip pour avoir droit à ça. Alors, premier fragment de cœur, je vais prendre dans l'ordre de la solution écrite, puisque notre ami Rinkineko a fait une magnifique page quête annexe les fragments de cœur, mais on n'avait pas encore l'équivalent en vidéo. Alors c'est parti. Donc le premier fragment de cœur. Alors si vous ne l'avez pas trouvé, franchement, vous êtes mal barré, il est là. Donc pour l'obtenir, je vais tricher et prendre un peu plus de rubis. Il suffit de gagner ce mini-jeu. En fait, ces histoires de touches de triche, c'est bien sûr très pratique pour moi qui suis le développeur du jeu. Comme j'ai besoin de tester et de retester, il faut que je puisse aller à différents endroits très rapidement. Donc je peux zapper les dialogues et vous verrez que je peux même passer à travers les murs. Et vous verrez que je peux même coder en direct. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous regarderez les tutos sur la création de jeu. Je ferai un chapitre spécifique sur l'utilisation des touches de triche. Alors, donc j'ai trouvé le fragment de cœur numéro 1 dans la maison des rubis. Le deuxième se trouve ici, dans la caverne de Lyriane. Hop, je passe derrière le mur pour forcer la porte. Tiens, si je prenais une épée. Voilà. C'est trop facile ce jeu. Donc au cours de cette caverne, il y a un moment où vous tombez dans ces trous-là. Et donc à l'étage du dessous, il y a une petite énigme. Je vais prendre le cœur. Petite énigme juste ici avec des dalles invisibles. Et il y a un coffre. Le fragment de cœur est dans le coffre. Donc si vous marchez sur certaines dalles, il y a une barrière qui se referme ici. Donc vous ne pouvez pas passer par là. Par contre, si vous marchez sur celle-ci, ça s'ouvre en bas. Donc faut juste repérer où sont les dalles invisibles. Voilà. Allez, on s'en va. Toujours en passant à travers les murs. Oups. Fragment de cœur numéro 3. En fait, ils sont listés à peu près dans l'ordre dans lequel. Tiens, si on courait. Voilà, je vais courir. J'ai une touche spéciale pour aller beaucoup plus vite. Donc, le numéro 3, ça doit être celui-ci. Une fois que vous avez battu le mini-boss, donc l'entrée principale est ici. Il faut bien sûr activer l'échelle, je ne vais pas vous refaire la soluce. Vous entrez là, une fois que vous avez battu le mini-boss, vous ressortez par ici. Et là, vous obtenez le fragment de cœur. Bon, c'est pareil, celui-là, il est difficile à rater, puisque vous le voyez de l'extérieur. Souvent, quand vous finissez le jeu et qu'il vous manque des fragments de cœur, c'est généralement des fragments de cœur qui sont dans les donjons, puisque chaque donjon cache un fragment de cœur. Sachant que celui-là, il est à l'extérieur, alors il compte pas dans le un fragment de cœur. Il y en a un autre. Je sais pas pourquoi je prends ce coffre. Ensuite, on triche encore. Ici, on a une petite caverne. On a une pancarte à l'autre bout du monde qui nous dit « Le trou près de la fleur n'est pas si dangereux qu'il en a l'air. » Donc il suffit de se laisser tomber et vous obtenez le quatrième fragment de cœur. Quatre fragments de cœur, nous obtenons un cœur supplémentaire. Et d'ailleurs, combien il y a de fragments de cœur dans le jeu? Je sais plus, 28? Attendez, je vérifie, bougez pas. 32. Ça fait tellement longtemps que je ne savais même plus.
Il y en a 32. On va aller chercher celui qui est dans le deuxième donjon. Le deuxième donjon est là. Je vais sauvegarder un petit coup. Alors, il est à moitié caché. Enfin, aux trois quarts cachés même. Il y a un moment où vous arrivez dans ces coins-là du donjon. Vous arrivez là. Et pour avoir le fragment de cœur, il faut redescendre. Et il faut observer l'icône d'action en fait. Quand vous passez sous la plateforme ici, derrière l'escalier. Oh, il y a une icône d'action qui apparaît soulevée. Vous appuyez sur espace. Enfin, sur la touche action, puisque les commandes sont personnalisables. En fait, il y a un vase qui gênait le passage. Et après, vous avez le fragment de cœur. Oups. Ça bug un peu des fois quand on passe à travers les murs. Bien sûr, c'est pas fait pour les joueurs, c'est fait pour les tricheurs. Donc. Alors, je continue. Numéro 6, aux abords nord du village. Ça doit être celui-là. Donc il est là-haut. Vous pouvez attendre d'avoir la plume. Alors, je vous ai dit que j'allais coder pendant le jeu. Je vais me donner la plume. Feather en anglais. Voilà. Je vais me donner aussi le boomerang. Donc la plume, on l'a dans le cinquième donjon. Le boomerang, on l'a beaucoup plus tôt. Alors vous pouvez utiliser la... Oups, j'ai raté mon saut. Ou alors j'ai été victime d'un bug. Bon, il y a un problème avec la plume. Bien sûr, comme j'utilise une version de développement du moteur, il y a des instabilités. Donc bref, vous sautez avec la plume, vous l'obtenez facilement. Ou alors, il y a un moyen un petit peu plus tricky. Ah ouais, mais il faut le boomerang numéro 2, je pense. Non, ça marche. Voilà. Pour l'avoir plus tôt dans le jeu, vous pouvez faire ça. Ça, c'était le sixième. Ensuite, retour dans le donjon numéro 1. Dans le donjon numéro 1, hop. Via l'entrée principale. Ici, il y a un mur fissuré. Donc, je vais me donner ce coup-ci les bombes. Donc le sac de bombes. Avec mon sac de bombes, hop, je peux poser une bombe. Allez, vas-y. Et le fragment de cœur est là. Je relance ma sauvegarde. Là, on en a 7. Si j'ai bien suivi, si vous avez bien suivi. Le huitième, il est tout simplement dans votre maison de départ. Là encore, une fois que vous avez les bombes, c'est-à-dire après le donjon 2, vous posez une bombe ici. Ça, c'est pas un fragment de cœur, c'est des rubis. Mais là-haut, il y a un fragment de cœur. Ce qui nous en fait 8. Allez, je continue, parce qu'on a encore du boulot. Numéro 9, dans le donjon 3. Donjon 3 qui lui aussi, vous avez besoin des bombes pour entrer. Et, eh ben, il est tout simplement là-haut. Non, c'est pas celui-là, puisque celui-là est à l'extérieur. Il y en a un qui est vraiment à l'intérieur. Donc, dans votre progression, il y a le labyrinthe dans le noir qui est totalement incontournable au deuxième étage. Et dans ce labyrinthe dans le noir, là, je vais pas passer à travers les murs, parce que sinon, vous comprendrez pas comment faire. Mais, juste ici, il y a un fragment de cœur. Problème, on peut pas passer. En fait, il y a un interrupteur qui est à l'autre bout du labyrinthe, tout en bas à gauche. Et l'interrupteur ouvre la fameuse barrière.
Je me suis trompé. Forcément, il est là l'interrupteur. Non, je peux pas passer par là. Ce labyrinthe est assez sadique, je dois l'avouer. Alors, il faut passer par là. Après, on va dire là. Je suis pas sûr. Non, c'est pas ça. Hop, je cours un peu. Ça doit être là. On va passer par là. Bien sûr, si on n'était pas dans le noir, ça serait beaucoup plus facile. Alors, si j'essayais de faire map cette light de 0 et lui, oh, tu vas me tuer en même temps. Ah non, de 1 bien sûr, puisque je veux allumer. Ah! Donc voilà. Comme ça, là, vous avez vraiment le côté Solus, puisque le labyrinthe est éclairé. Et voilà le fragment de cœur. Bon, vous avez compris, j'accélère. Voilà. Ok, sortons d'ici. Et donc, vers la fin du donjon, et à un moment où vous arrivez au-dessus, celui-là, vous pouvez pas le rater non plus. Pas la peine de s'étendre sur ce fragment de cœur. Numéro 11. La boutique du lac. Donc là, nous nous dirigeons vers l'extrême sud-est de la carte. Et dans la boutique, qui est facilement accessible et qui vous vend des trucs pas chers, il y a un mur fissuré. Oh là là, c'est bien trop lourd. Si on prenait... attendez. Comment ça s'appelle? Les gants, gloves. Tiens, puis on va prendre le deuxième tout de suite. La poigne d'or. Voilà. Le suivant est dans le quatrième donjon, le palais de Beaumont. Et le palais de Beaumont, il est là. On peut pas entrer directement, mais il y a un petit raccourci qui est dans un mur. Si je me souviens bien, c'est juste là. Haha. Trop facile. Et le fragment de cœur, eh ben, il est à la fois très simple et très compliqué. Très simple parce qu'en fait, il est là. Il est juste à l'entrée, mais il n'y a pas vraiment d'indice. Alors, il faut se souvenir que dans chaque donjon, il y a un fragment de cœur. Il faut se souvenir que dans celui-là, vous ne l'aviez pas encore trouvé. Ce qui est, c'est vrai, pas évident. Il y a un personnage qui vous dit... qui vous dit que chaque donjon cache un fragment de cœur. Alors, je voulais juste aller voir ce qui se passe une fois qu'on a tué le boss. En fait, je vais déclencher la séquence animée. Mince, ça a planté. Ah, zut. Ah, mais là, c'est mort. Oups. Bon, est-ce que j'avais sauvegardé? Non, j'avais pas encore sauvegardé, mais c'est pas grave. Donc, je voulais déclencher en fait le monde des ténèbres. Je vais le faire autrement. Il faut juste que je me souvienne comment. Puisque là, on est dans le monde de la lumière. Je vais juste mettre pause une seconde et regarder comment on fait pour déclencher le monde des ténèbres. La la la. Alors déjà il faut que je fasse. Alors game set value B905. Voilà, et là normalement si je change de map, je me retrouve dans le monde des ténèbres. Super. Voilà. Et puis juste pour être sûr,
pour être sûr, je voudrais aussi faire croire au jeu que j'ai fini le donjon numéro 4. Ah non, c'est bon, on va se débrouiller, c'est pas grave. Alors, je remets... Hop, 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 voilà. Donc, reprenons. J'en étais à 12. 12 fragments de cœur sur 32. On a encore du boulot, hein. En fait, j'ai besoin d'activer le monde des ténèbres pour accéder au château. Version monde des ténèbres, parce que dans le monde de la lumière, le château, c'est pas un donjon, en fait. Ah, tiens, je vais me donner les palmes quand même, ça pourrait servir. Parfait. Voilà, bon là j'espère que je suis dans la configuration du donjon. Et donc si vous allez ici, voilà c'est bon, je suis bien dans le donjon. Il y a un fragment de cœur dans ce labyrinthe que vous avez traversé. Et pour obtenir le fragment de cœur, juste au moment où vous obtenez la plume ici, dans ce grand coffre, bon, la plume j'ai déjà prise puisque j'ai triché, vous sautez au-dessus du télétransporteur qui est là, pour trouver dans le deuxième. Par chance, la plume passe bien au-dessus des télétransporteurs. Elle est buggée avec les trous, mais elle fonctionne avec les télétransporteurs. Ok. Donc là... attendez, j'en ai oublié un. Ah oui, j'en ai oublié un. Avant de pouvoir faire ça, il faut ouvrir l'entrée du donjon, et pour ça, vous passez par le passage secret, vous revenez par ici, et vous empruntez le canon. Aïe. Et le canon, il bug aussi. C'est pas grave. J'utilise une version de développement, alors je m'attendais à ce qu'il y ait des surprises. Je me suis dit que ça allait pimenter un peu la vidéo. Et donc le canon vous emmène ici, quand tout va bien. Parfait. 14. Ensuite, nous allons visiter le sadique labyrinthe du vrai héros. Puisqu'entre le donjon 5 et le donjon 6, vous avez des épreuves à faire, dont celle-ci. Alors on va s'éclairer un petit peu, si vous le voulez bien. Quel luxe. Donc, le plus simple... c'est de partir de la fin. Moi je vais faire le labyrinthe dans le sens normal. Mais en fait le fragment de cœur est près de la fin du labyrinthe. Il est là. Et pour l'avoir, je vais vous montrer par où il faut passer. Il faut passer par là, qui est pour l'instant le seul chemin possible. Et quand vous arrivez à cette pancarte, c'est plus très loin de la fin, ça vous dit le pire n'est pas à venir, et il faut prendre le deuxième escalier, donc celui-ci. Et voilà. Donc si vous avez déjà fini le jeu, vous pouvez revenir plus facilement en faisant le labyrinthe en sens inverse. Ok. Ça, c'était le 15e. Le 16e est dans le donjon 6. Et il est d'ailleurs très facile. Et on peut entrer dans le donjon 6 en trichant aussi. Ce qui nous arrange. Donc, dans le donjon 6, vous pouvez pas trop le rater celui-là. Alors, je vais y aller direct. En continuant à tricher allègrement. Par où je vais monter. Il y a tellement de choix dans ce niveau, je sais pas par où passer. Alors, j'essaie de pas tout faire bugger, voilà. Donc le but, c'est d'aller au troisième étage, tout en haut. Voilà, il y a un moment où vous arrivez là. Tiens, si on trichait, comprenez. Par exemple, l'épée 4. L'épée 4? Il y a une épée 4? Mais non, il n'y a pas d'épée 4. Seulement pour les tricheurs. Et le fragment de cœur est tout simplement là. Donc, à mon avis, vous l'avez déjà eu. Ensuite, dirigeons-nous vers la tour des cieux, qui est le donjon secret. Dont je parle bien dans un solus. Je vais vous réexpliquer comment y aller.
C'est par là en fait. Un petit passage ici. Après, vous faufilez dans cette forêt. Et le tour des cieux, c'est là où vous trouvez la deuxième épée, qui elle existe vraiment. Et le fragment de cœur est là aussi pas vraiment caché. Vous suivez la Soluce pour finir le donjon de façon tout à fait normale. Tiens, je vais passer par là-haut. Et puis à un moment donné, vous pouvez pas le rater. Et il faut utiliser le grappin. Alors j'ai pas la grande clé, mais je vais quand même pouvoir passer. Oula. Quand on passe travers les murs, les escaliers, ils aiment pas trop. Donc là, j'y suis plus très loin. Voilà, c'est ici. Donc là, tout bêtement, prenez votre grappin que j'ai pas. Alors, attendez. Start treasure. Bookshot, c'est le grappin. Et le fragment de cœur doit être là. Ok. On continue. Donc là, j'en ai combien? 17. On a fait plus de la moitié. Retournons donc chez le vieux sage, ça sera là, pour le fragment de cœur numéro 18. Salut vieux. J'ai pas besoin de lui parler. Il suffit de retourner dans sa cave. Celui-là, c'est peut-être un que vous avez oublié. Parce que franchement, il faut y penser. Une fois que vous avez la poigne de fer, c'est-à-dire après le niveau 6. Vous pouvez faire ça. Voilà, c'était le numéro 18. Numéro 19, allons voir à la fontaine des fées. Donc, la fontaine des fées et son passage secret, qui sont l'une des cavernes à visiter entre le donjon 6 et le donjon 7. Une des premières d'ailleurs, la deuxième il me semble, avec ce labyrinthe assez tordu. Et à mon avis, je ne l'avais pas raté non plus, puisqu'une fois que vous avez fini le labyrinthe, vous avez utilisé le grappin ici pour vous accrocher au bloc que vous avez placé ici avant. Il suffit de ne pas oublier le fragment de cœur. Donc ça, c'était le 19. Le prochain va nous donner un réceptacle. Cette caverne vous donne une clé, et après cette clé, vous pouvez aller à cette caverne-ci, qui elle aussi renferme un fragment de cœur. Là, ça va être un peu embêtant puisque le mec il est pas là. À mon avis, il est pas là parce que il veut que j'ai fini le donjon 6, mais j'ai pas fini le donjon 6. Alors, qu'à cela ne tienne. On va dire au jeu qu'on a fini le donjon 6. Alors, c'est une syntaxe un peu bizarre pour dire que vous avez fini un donjon. Mais ça, c'est pour des raisons historiques. Si vous, dans les nouveaux jeux maintenant, on peut faire ça plus clairement. On peut appeler nos variables de façon plus claire que B321. Donc la variable B321, c'est celle qui retient. Eh ben non, c'est pas ça. Okay, pourquoi il est pas là lui? J'ai fini le donjon 6. Alors. Bougez pas, je vais regarder le code. Donc c'est le jeu des coffres. Donc le code, il vérifie que le donjon 6 est fini. Alors peut-être que j'ai pas fait le bon truc. Ah non, d'accord, en fait c'était... Je me suis trompé, c'était pas une variable obscure, c'était une variable très claire. En fait, il y a une variable qui s'appelle donjon 6 finished. Donc finalement, c'est mieux comme ça. Voilà. C'est pour vous forcer à faire les donjons dans l'ordre. Ouais, je veux bien participer. Donc vous pouvez trouver ici la clé de bois.
Un fragment de cœur. En fait, le coffre que je viens d'ouvrir, il a bugué parce que ça devait être des flèches et j'ai pas d'arc et le jeu est pas prévu le cas. Mais ça change rien du tout aux probabilités du fragment de cœur. Voilà. Au bout d'un moment, vous trouvez le fragment de cœur, c'est très bien. C'est assez rigolo de faire le jeu en trichant. Donc, on en a 20. Ou 20. Ensuite. Ah, alors il y a la caverne où il faut faire très attention à pas faire n'importe quoi, c'est ici. Caverne que, à laquelle vous pouvez accéder. Comment déjà? Depuis là. Oui, faut commencer. C'est là en fait. Donc, entre le donjon 6 et le donjon 7, vous sautez de cette façon-là. Avec votre clé de bois, vous pouvez ouvrir ça. Et là, il y a une sorte de mini-jeu qui a d'ailleurs un petit peu changé dans la version 1.7. Sauf que si la plume ne marche pas, je vais avoir beaucoup de mal. Ouais. Je vais avoir beaucoup de mal à obtenir ce fragment de cœur avec le bug de la plume. En fait, le but, c'est d'obtenir, d'ouvrir tous les coffres les uns après les autres. Et si vous y arrivez, le dernier contient tout simplement un fragment de cœur. Oups, je suis tombé. J'ai quand même un moyen de tricher, normalement. Je devrais pouvoir me placer sur chaque coffre manuellement. J'ai pas de variable qui s'appelle chest. Ah si, c'est bon. Donc à chaque fois que vous ouvrez un coffre, ça joue ce petit son. C'est un peu laborieux, je suis désolé. Mais bon. Et si vous voulez, vous irez voir la soluce pour avoir la bonne façon de tout s'y accéder si vous avez du mal, mais c'est pas très difficile. Chest 4. Et dans les versions précédentes du jeu, avant SDX 1.7, en fait, on avait des rubis qui augmentaient à chaque coffre. Mais j'ai changé ça parce qu'on comprenait pas très bien le sens de l'énigme. Et c'était difficile de comprendre qu'il fallait revenir et ouvrir tous les coffres pour résoudre l'énigme. Ça manquait de clarté. Alors, 7. Je pense que c'est le dernier, celui-là, non? Voilà. Donc après, vous arrivez là, et ça va s'enchaîner naturellement. Il y a beaucoup de fragments de cœur entre le donjon 6 et le donjon 7. Hein. Donc vous tombez là, après. On va remettre la lumière. Même s'il n'y a pas grand chose à faire dans cette caverne. Il y a 300 rubis à trouver quand même, dans un coffre. Et donc vous arrivez là, vous passez là, 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 là. Et vous ressortez par ici, fragment de cœur. Ok, ok, ok. Après, cap vers le nord. Ici, nous avons le bazar du coin. Le plus grand choix d'articles à un prix vraiment exceptionnel. C'est ici que se cache le 23e fragment de cœur. 499 rubis. Ah, j'ai que 100 rubis. Bon alors attendez. 2 secondes. Voilà. Ça va aller mieux. Ne m'embête pas. Voilà. Donc ça c'était le 23e. Je me suis pas trompé, ouais, c'est bon. Le prochain, il est quand même temps d'aller au donjon 7. Le prochain est dans le donjon 7. Allons-y! Donc, au début du donjon, tout au début, vous avez une salle avec des tuyaux. La petite salle avec les tuyaux. Et il faut avoir la curiosité d'emprunter le tuyau qui sert à rien. Puisque un fragment de cœur s'y cache.
C'était celui du donjon 7. Rappelez-vous, il y en a un par donjon. Ok, alors, je sauvegarde. Donc c'est le 24e. On s'approche de la fin du jeu maintenant. Montagne des terreurs. Donc, supposons que vous avez fini le donjon 7, vous avez la canne de Somaria. Cane of Somaria. Voilà. Et, dans quel ordre on va les faire? Je vais continuer à suivre la Solus. C'est marqué depuis l'entrée ouest des montagnes. Donc j'y suis. Utilisez la canne de Somaria. Ah oui. Vous vous rendez compte? Je suis perdu dans mon propre jeu. Ici. Ah, j'ai encore mon problème avec la plume. C'est malin d'avoir joué avec une version pas bien testée, pas bien finie. Non. Oh là là là. Ok, il suffisait de dire ça pour avoir un plantage. Je disais donc... 24 fragments de cœur, ça c'est bon. Tiens, on va passer par là. Quand... Faut que j'arrête de courir là. Ok, dans cette caverne, je vais y arriver. Vous prenez la plume pour vous rendre jusqu'ici. Vous utilisez la canne de Somaria. Et vous réutilisez la plume pour vous rendre jusqu'ici. Et le grappin, qui a le même bug que la plume. Mais bon, vous arrivez là, supposons. Et vous obtenez un fragment de cœur. C'était le 25e fragment de cœur. Le 26e, c'est un fragment de cœur qui vous nargue. Mais qui vous nargue d'une force, mais depuis le début du jeu ou presque. Il est temps de résoudre le mystère du 26e fragment de cœur. Donc dans ce que j'appelle les grottes jumelles, ces deux grottes-là, qui sont accessibles dès la fin du donjon 1, vous avez ce coffre-là, qui est totalement inaccessible. Et vous avez dû vous faire avoir quand vous avez eu le grappin, vous avez essayé de faire ça, ce qui bien sûr ne fonctionne pas. En fait, il faut la canne de Somaria, c'est pour ça qu'on revient que maintenant, puisqu'on vient de finir supposément le donjon 7. Le temple du cristal. Alors vous faites un bloc de Somaria par exemple ici. Vous refaites le tour. Je vais faire le tour en vitesse. Hop hop hop. Voilà. Et le grappin. Vous l'utilisez sur... Mince, je me suis trompé de touche. Je recommence. Mais ce coup-ci en trichant, puisque vous avez compris. Vous utilisez le grappin sur votre bloc de Somaria. Et puis là pour passer, bah, vous avez qu'à le pousser un peu plus. C'était le 26e fragment de cœur, félicitations! Plus que 5! Non, 6! Plus que 6! Rivière Sud. Là aussi, un petit mystère qui persistait jusqu'ici. Dans cette caverne, où vous avez obtenu des rubis. Plus tard, vous avez pu revenir ici une fois que vous avez vu les palmes, mais là vous avez été bloqué parce qu'il y a un interrupteur qui veut pas rester enfoncé. Et le bloc là, il est juste là pour vous narguer. En fait, c'est la canne de Somaria, là encore, qu'il faut utiliser. Et quand vous arrivez là, hop 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 hop, fragment de cœur. Cool. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, dirigeons-nous vers le donjon numéro 8. Sachant que, sur le chemin du donjon 8, donc vous allez par là pour aller vers le donjon 8. Moi, je vais prendre un raccourci. Oh, je triche. Il y a un moment où vous arrivez ici. Là, vous prenez un flacon. J'ai pas de flacon. Alors, oups, je suis en majuscule. Bottle, c'est la bouteille numéro 1. Voilà, j'ai un flacon. Problème réglé. Vous prenez de l'eau ici. Et vous versez l'eau juste à côté, ici. Sur la terre fertile, puisqu'il y a un petit indice. Magie, magie. Une liane apparaît. Après, vous revenez dans votre caverne. Et vous ressortez juste par ici. Il ne faut pas sauter de cette plateforme avant d'avoir fait monter la liane.
Sinon, faut refaire tout le tour. Voilà le fragment de cœur. Plus que 4. Le quatrième est toujours dans la montagne. Toujours avant d'entamer le donjon 8. Vous traversez la cascade avec le miroir magique. Vous avez acheté le miroir mystique que vous avez acheté au bazar du coin. Ensuite, une fois que vous arrivez là, il faut aller soit là, je sais plus. Il me semble que c'est là. Ouais. Lumière! Donc le fragment de cœur, vous l'avez déjà vu. Tiens, est-ce que ça va marcher avec la plume? Ah ouais, la plume elle fonctionne sur les piquants, mais elle fonctionne pas sur les trous. Très bizarre, très bizarre. Donc voilà, j'ai un fragment de cœur, et puis si vous sautez là, vous aurez un flacon. Maintenant, nous sommes prêts pour aller au donjon 8, nous avons... Oups, tous les fragments de cœur possibles, jusqu'ici. Le donjon des pics rocheux. Alors là... Mince, j'ai pris un téléporteur, caché dans un mur. Ok, on va essayer d'éviter le téléporteur caché dans le mur, tout en évitant les trous, sachant que le grappin ne marchera pas. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Ce fragment de cœur là n'est pas trouvable, à moins d'avoir vraiment de l'inspiration, mais... En fait, dans cette salle... Il est trouvable si vous avez le trésor du donjon 9, l'un des trésors du donjon 9, qui est la cape magique. La cape magique vous permet de détecter les murs fissurés. Et quand vous passez près d'un mur fissuré, il y a un petit son. Donc c'est ça qui vous indique qu'il y a un passage secret. Mais bien sûr, ça implique de revenir dans le donjon 8 après avoir fini, après avoir fait le 9, ou une partie du 9. Donc celui-ci était un petit peu sadique, et c'est très probable que s'il vous en manque un, ça soit celui-là. Ou alors peut-être celui du donjon 4. Donc, il nous en reste plus que deux. Allez, je vais sortir du donjon. Plus que deux, ouais. Donc, il restait une caverne. C'est pas celle-là, ça doit être celle-ci. Donc celui-là, vous pouvez l'obtenir... Avant d'avoir fini le donjon 8, il suffit de faire ça, et de pas tomber. Mais bon, si vous avez le deuxième bouclier... Non, ça c'est la deuxième tunique, tiens, on va en profiter pour prendre une meilleure tunique. Le troisième bouclier, enfin le deuxième bouclier, il n'existe pas. Mais c'est celui-là, voilà, le bouclier miroir qu'on trouve dans le donjon 8. Vous pouvez faire ça. Et bien sûr, il faut faire face au laser, sans donner de coup d'épée. Parce que à partir de la prochaine version qui va bientôt sortir, les lasers vont vous blesser si vous donnez un coup d'épée en leur faisant face. Parce que quand vous donnez un coup d'épée, le bouclier il s'en va. Il fait plus face à l'ennemi. Au laser. Donc dans les versions précédentes, le moteur n'en tenait pas compte. Mais dans la prochaine version, il en tiendra compte, ce qui rend ce passage un petit peu plus dur. Très bien, très bien, très bien. Et ben, il n'y a plus qu'un, les amis. Le dernier, c'est un fragment de cœur qu'on peut apercevoir dès le début du jeu, ou presque. C'est celui du niveau 9, puisqu'il y en a un dans chaque donjon. Mais par contre, il n'est pas vraiment dans le donjon 9, pour le coup, il est à l'extérieur. Donc, il est difficile à rater, mais simplement quand vous êtes au premier étage, il y a deux sorties vers l'extérieur, qui sont d'ailleurs liées. Celle-ci est celle que je viens de prendre, et vous obtenez le dernier fragment de cœur du jeu. Et voilà, si vous avez tous les fragments de cœur, et que vous avez fini le jeu, vous avez votre barre de vie qui est au maximum, avec les deux lignes complètement remplies avec 20 cœurs. Donc nous, comme on a triché et qu'on n'a pas tué un seul boss, il nous manque les réceptacles de cœurs des boss. Il nous manque ceux des 8 donjons, plus... le réceptacle de cœur qui est dans la caverne ici.
ce qui fait bien un total de 20 cœurs, puisque vous en aviez 3 au début. Ben voilà, je crois qu'on a fini. Désolé pour tous ces petits bugs, mais je vais corriger ça bien sûr avant la sortie de la prochaine version. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je me suis bien amusé à vous montrer comment je triche. c'était un peu plus long que d'habitude, mais c'était une vidéo bonus, alors c'est pas grave du tout. Quoique non, c'était pas si long par rapport au dernier donjon de la Solus. Ok, merci à tous, c'était Voyou, en direct d'Hyrule. A bientôt, salut!